C'est le moment d'ouvrir la consultation du médecin de Télématin. Marine, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Les fruits d'été commencent à arriver. Faut-il vraiment éviter de les manger avec la peau à cause des pesticides? Nous demande Colline. Bah, c'est vrai que la peau des fruits contient plein de vitamines, de minéraux, de fibres. Donc quand c'est possible, oui, il faut essayer de les consommer avec leur peau, mais à condition de bien les rincer, de bien les nettoyer. Et pour cela, pas besoin d'utiliser les techniques que parfois on voit passer à base de vinaigre ou autres produits. Simplement à l'eau. C'est vraiment... ça suffit. Ah oui, c'est la meilleure technique pour rincer les fruits et légumes. Alors, sachez aussi que la quantité de pesticides varie évidemment selon le mode de production des fruits et des légumes. Donc, essayez de privilégier le bio si vous le pouvez. Mmh. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite infographie d'UFC Que Choisir qui identifie les produits les plus contaminés par les pesticides. Donc attention, là, en été, avec les pêches, nectarines, cerises. Donc si vous pouvez privilégier du choix du bio sur ces, ces fruits-là, c'est mieux. Mmh. Je dois passer une IRM, mais je suis claustro et ça m'angoisse. Avez-vous des conseils à me donner? C'est Solène de Champigny-sur-Marne qui pose cette question. Ah bah, pas mal de personnes sont dans le même cas. Ouais. C'est vrai que c'est très fréquent quand même d'être un peu angoissé, évidemment, avant un examen et surtout un scanner ou une IRM qui peuvent être un peu impressionnants. Alors, ce qui peut évidemment faire un peu stresser, c'est la peur de se retrouver coincé dans ce tunnel, cette machine. Mais alors, si je peux vous rassurer, sachez que pour l'examen, on va vraiment mettre que la partie qui nous intéresse au niveau du tube, fait, de la machine. Donc évidemment, si c'est la tête, mais si c'est un membre, tout le reste du corps sera à l'extérieur. Ensuite, quelques astuces peuvent vous aider pour bien passer ce moment. Alors déjà, on va vous donner un casque pour limiter... Parce que le bruit est fort. Les bruits peuvent être aussi assez impressionnants. Donc un casque pour être au calme, parfois une petite musique relaxante. Oh, c'est bien. Oui, ça arrive. Essayez de vous concentrer sur votre respiration, de faire un petit peu des exercices de méditation, de relaxation. Chantez, vous pouvez crier, personne n'entendra. Exactement. On va bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire des vocalises. J'ai une suggestion. On peut faire des petites vocalises. L'amour du riz. Non. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette... Alors, si vous faites ça, évidemment, ça va poser problème. Oui, non. Tu Patrick Sébastien, non. ça le fait. Il y a quelque chose qui n'est pas très connu aussi, c'est que s'il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez demander à avoir un accompagnant avec vous pour papoter tranquillement ou pour juste avoir un contact physique qui vous rassure. Et puis si vraiment vous appréhendez l'examen, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire un petit traitement pour vous détendre. Si j'ai peur de présenter, vous pouvez me tenir la main. Mais bien sûr, toujours. Merci, regardez. Je me sens mieux. Mon fils est myope. J'ai vu qu'il existait des lunettes pour. Vous me la serrez fort, du tout. C'est vrai. Ah non, mais je suis tout en muscle, excusez-moi. C'est vrai. Vous êtes angoissé du plateau. Je sais pas. Ça va aller. Oh, merci mon chaton. Mon fils est myope. J'ai vu qu'il existait des lunettes pour ralentir l'évolution de sa myopie. Est-ce efficace? Demande Caro. Alors oui, c'est tout à fait efficace. Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs pour freiner la myopie. Alors, à ne pas confondre avec les lunettes pour corriger la vue. C'est vraiment des dispositifs spécifiques pour ralentir l'évolution de la maladie qui peut entraîner des complications à l'âge adulte quand on a une myopie très forte, évolutive. Ça peut créer des complications oculaires. Alors, l'ophtalmologiste va prescrire un ou plusieurs dispositifs, bien évidemment en accord avec les parents et l'enfant. Ça peut être des collyres à base d'atropine, des lentilles de jour, de nuit, et des lunettes. Alors, des lunettes avec des verres très spéciaux. Comme vous le voyez, en fait, ils sont composés de micro-lentilles sphériques, et ça va permettre d'éviter l'allongement de l'œil, et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Marine. Adrien. Attendez, juste, on parle de santé. Je voulais juste dire que c'est toujours la quête nationale de la Croix-Rouge, 160 ans cette année, 90e quête nationale. Si vous voulez donner, rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge, lacroixrouge.fr. Et puis sinon, pour donner 5 euros, vous composez don au 92-200 en précisant le numéro de département parce que les dons sont localisés pour des actions encore très ciblées. Merci beaucoup, Maya. Il fallait absolument en parler.